Salut les loulous, c'est Cécile d'Isola 2000. Aujourd'hui, on a une super belle surprise. On est avec Julia Pereira, qui est championne de France, championne d'Europe, junior, c'est ça, championne de... Et championne du monde junior en équipe. Alors, est-ce que tu peux me présenter un peu ton palmarès? Parce que, alors, je sais que tu es en Coupe du Monde, tu es en train de battre plein de records. Est-ce que tu peux me présenter tout ça? Oui, alors j'ai commencé le snowboard quand j'avais 9 ans, donc j'étais sur le parcours Kids et j'ai remporté 17 titres de championne de France. Après, quand je suis rentrée au plus haut niveau, j'ai commencé à faire des Coupes d'Europe. Au début, c'était pas trop ça, je commençais à faire 23e, je me suis dit bon, ça va être comme ça toute la saison. Et plus la saison avançait, plus les résultats étaient bons et plus les résultats étaient surprenants et je finis par gagner le classement Coupe d'Europe à la fin de la saison. Et du coup, grâce à ces résultats durant la saison, j'ai participé au championnat du monde junior où je ramène une médaille de bronze en individuel. Wow. Et une médaille d'or en équipe avec ma copine Manon Petit-Lenoir qui est avec moi en équipe de France, qui est dans mon groupe. Et après, j'ai participé à 3 Coupes du Monde à la fin de la saison. La première Coupe du Monde, je finis 19e. Ouais. La deuxième, je finis 13e. Et la troisième, je finis 7e. Et du coup, avec tous ces résultats auxquels je ne m'attendais pas du tout, ils m'ont fait rentrer en Coupe du Monde. Et maintenant, je suis partie pour... C'est parti. Pour une petite carrière, enfin une longue carrière, j'espère. Bah, oui, c'est ce qu'on souhaite. Dans le snowboard cross. Donc, Julia, tu as 16 ans. Oui. Donc, tu es la plus jeune, en fait. Oui, je suis la plus jeune de mon groupe, la plus jeune sur le circuit Coupe du Monde aussi. Ouais. Mais après moi là j'y pense pas trop, enfin c'est vrai que les gens c'est ce qui les marque en premier, c'est vrai 16 ans c'est pas commun quoi, il y en a pas quoi, donc du coup forcément ça choque un peu tout le monde, mais moi j'ai l'impression d'avoir le même âge que tout le monde et d'être là depuis le même nombre de temps, enfin c'est pour moi c'est pareil. D'accord. Waouh. En tout cas tu mets des étoiles dans les yeux de tout le monde. On est ravis en plus de t'avoir ici à Isola parce que tu es d'ici, tu es isolienne. Oui, je suis isolienne, j'ai toujours grandi ici depuis que j'ai 2 ans, j'ai commencé par le ski et après je me suis orientée vers le snowboard quand j'avais 9 ans. Alors comment tu t'es orientée vers le snowboard? Et bah quand j'avais 2 ans j'ai commencé le ski, j'étais au club ESF, après à mes 9 ans j'ai fait un test au club des sports, donc j'étais pas vraiment au club des sports mais j'étais vraiment en test quoi. Et le cours s'était mal passé, on m'avait dit que c'était vraiment pas bien ce que je faisais et moi j'aimais pas du tout cette mentalité et du coup quand j'étais petite ça m'avait vraiment vexée et du coup je m'étais échappée du cours de ski et j'étais allée voir ma mère en pleurant en lui disant « Maman je veux faire du snowboard » et sur un coup de tête comme ça et je crois que j'ai bien fait. Et là gros coup de cœur. Gros coup de cœur. Ouais, ah ouais mais t'as bien fait là. Gros coup de cœur. Pour le coup, non c'est super. Alors du coup, comment ça se passe là? Parce que tu es en pleine coupe du monde. Oui. Donc là, ça se passe comment la préparation? La préparation en Coupe du Monde, l'année dernière j'étais rentrée à Villard-de-Lans, donc j'ai commencé vraiment à faire du sport intensivement, vraiment. Toutes les semaines, je faisais du sport, de la muscu au lycée. Et c'est vrai que par contre, c'était vraiment une structure pas forcément vraiment adaptée pour les snowboarders. C'était le bac continué, c'était pareil que dans les établissements normaux, c'était le bac en 3 ans. Et du coup, c'est vrai que je loupais vraiment beaucoup d'écoles avec toutes ces compétitions. Et pendant toute mon année de seconde, tout l'hiver, j'ai loupé l'école. Ouais. Parce que du coup, j'avais toutes les courses qui se rajoutaient les unes après les autres. Et je suis jamais allée à l'école. Et après, du coup, à la fin de l'année, en avril, ils m'ont fait rentrer à Albertville. Et là, c'est vraiment une structure adaptée pour les sportifs. Donc, il y a des skieurs, des snowboarders qui font tout plein de disciplines différentes. Et en fait, c'est le bac en 4 ans. Donc, je suis à l'école juillet-août, enfin tout l'été. Et par contre, l'hiver, je ne suis pas à l'école. Donc, de octobre à avril, on est tranquille. On a du travail à distance, mais voilà. Et c'est vraiment pour pouvoir vraiment assurer notre saison, quoi. Pas se prendre la tête avec l'école. Et puis après, il y a aussi forcément beaucoup, beaucoup de préparation physique. Et depuis que je suis rentrée là-bas, je sens la différence sur la neige et je vois la différence sur moi, même j'ai pris du poids, je me sens muscle. Plus forte quoi. Oui c'est du muscle mais je me sens plus forte qu'avant et j'espère que ça va continuer comme ça. Et là parce qu'on se pose tous la question au niveau pro, tu pratiques combien d'heures de sport par semaine? En gros t'as une idée? Je sais pas, par jour. Quand je suis au lycée et que c'est de la préparation physique, ça dépend des semaines, ça doit être à coup de 15 heures par là, par semaine. Peut-être un peu plus, même des fois, je sais pas vraiment le nombre d'heures exactes. Ouais. Et après, le snowboard, j'en fais tout le temps. Donc,
ça s'arrête plus. Heureusement que j'aime ça, parce que sinon... Ouais. Ouais, super. Ok. Ensuite, on a beaucoup de monde qui est curieux, qui aime savoir la vie des sportifs haut niveau. Est-ce que tu as beaucoup de restrictions, toi ? Est-ce que tu suis un régime ? Est-ce que... C'est vrai que avant, quand je faisais du snowboard, pas dans ce contexte-là, hors les grosses coupes du monde et tout, voilà, c'était vraiment, y a toujours le plaisir, il est toujours là. Ouais. Heureusement qu'il est là parce que c'est pas une vie facile. On est loin de la maison, ouais. On voit pas souvent papa et maman. Tu voyages tout le temps, en tout plus. Le temps. Bon après ça, je vais pas m'en plaindre, c'est génial, j'adore ça, j'adore ma vie, je voyage dans le monde entier. Cet été, je suis partie au Chili. Là, au mois d'octobre, j'étais en Finlande. Ouais. Enfin, c'est top, hein, j'adore cette vie, vraiment, je voyage de partout, mais il y a quand même des trucs par derrière, quoi. On voit pas souvent les copains, même si voilà, c'est génial et que c'est pour notre sport et que chaque sportif est complètement amoureux de son sport, parce que c'est ça, on est amoureux de notre sport, hein, parce que sinon on le ferait pas. Et bah, il y a quand même des choses derrière, oui, qui voilà. Après, non, je ne fais pas de régime, j'essaie de bien manger, voilà. Ouais. T'as voilà. Pas de restrictions voilà. Particulières. Oui, je mange du pain complet, ouais. pas trop de pain blanc, ouais. Des trucs basiques, mais j'ai pas forcément, pour l'instant, j'ai pas de régime spécial. Ouais, ok. Voilà. Donc là, tu prépares la suite de la Coupe du Monde. Oui. Il y a du monde derrière toi, dont Isola 2000 évidemment. Oui, évidemment. Et qui sont tes partenaires aujourd'hui ? Alors il y a Volcom qui m'aide, qui m'envoie des tenues. Donc voilà, après moi je m'occupe de la communication sur Instagram. Ouais. J'ai POC depuis pas longtemps, donc il m'équipe en protection. Il y a aussi le département des Alpes-Maritimes qui m'aide en bas. Le pays de Grasse qui m'aide aussi à côté de chez moi. Et pour l'instant, j'en ai pas énormément. Il y a le shop L'Imprévu aussi qui m'aide beaucoup ici à Isola. Ouais. Voilà, parce que Mathieu, c'était mon entraîneur de freestyle quand j'étais petite. Mais pour l'instant, j'en ai pas beaucoup. Donc, voilà. Ça mais ceux que j'ai sont précieux. Oui, je les garde. Oui, c'est la famille. Oui. C'est la famille. Oui. Bon, super. Alors, moi, j'ai un petit défi à te lancer. Ouais. Attention, je tente. Écoute, j'aimerais faire peut-être pas toute une course complète, mais je te mets au défi de faire un parcours de border cross toutes les deux. Pas trop. T'es d'accord? Oui. Bon, eh ben on va voir ce que ça donne. Hein. Allez, on va aller au tennis Snowland. Tennis Snowland. Tennis Snowland, t'as dû beaucoup pratiquer aussi sur le border cross, oui, là-haut. Beaucoup, beaucoup, oui, avec Sébastien Blétry, qu'on appelle tous Toc, Loïc Delourme, enfin c'était ouais. Mes entraîneurs et pendant toutes mes années au club back-to-back, et ben on s'entraînait dans ce border, quoi. D'accord. Et là il a changé, ça fait 2 ans qu'il est pas pareil, et du coup je suis un peu triste ou nette parce qu'il était vraiment bien ce border. Ah mais donc j'ai peut-être une chance de te battre. Peut-être. Parce que je le connais peut-être un petit peu plus que toi du coup. Peut-être, et puis c'est les vacances alors on se laisse un peu aller. Voilà, j'ai une petite chance. Ah oui. Peut-être. Bon, ok, c'est parti. Voilà. On y va. Ciao. Aussitôt dit, aussitôt fait, nous confions une caméra à Julia, qui est en train de filmer Cécile. J'en prends une aussi, évidemment. Et nous partons sur les pistes. Julia a appelé des copines qu'elle va rejoindre. Elles sont en ski, aussi étonnant que cela puisse paraître. Là, c'est donc Julia qui filme ses copines, et là, c'est moi qui filme Julia. Nous descendons vers la télécabine du Mercantour pour nous rendre au snowpark, le Tony Snowland.
20 ans plus tard, Cécile se rétale. On peut pas être avoir été. C'est vrai. Mais non, attends, je suis toujours aussi sportive. Hein. Ah bah oui, mais ça c'est sûr. Oh là là, c'est rigolo. C'est rigolo de voir. Mais j'en avais fait du snowboard avant, mais je me souviens plus en fait. J'oublie. Non, en plus c'est chiant le snowboard au début, tu tombes sur des fesses, ça te dégoûte le snowboard au début. Ah ouais, bah ouais, là, c'est chiant. J'avais plus de bleu, mais je crois que je vais m'en refaire un. Un beau. Nous sommes au départ du border. Julia a pris place au deuxième portillon en partant de la droite. Et Cécile, tant bien que mal, se positionne. J'ai toujours rêvé d'avoir des jolies femmes à mes pieds. Qui tombent à tes pieds. Bon bah Julia, elle est déjà en bas. Moi je suis là. Toi t'es encore là. Mais je vais y arriver hein. Hop là. Julia a pris la tête, ça vous étonne? Reste là. Non, Biscale. Les bonnes crêpes qu'on faisait. Ah donc, t'es le papa de Julien. Voilà. Wow. Papa de Julien. Bon, fierté. Elle est top, hein. Ah oui. Elle est magnifique, ça représente les amis. Ouais, complètement. Je suis dans force. Ouais, il faut représenter un peu. Tito, alors, t'es le papa de Julia. Ouais, le papa de Julia. Fier d'être le papa de Julia, ouais. Ouais, bon, on espère qu'elle va aller loin, là. Bah, elle est bien partie, en tout cas. Et puis oui, j'espère qu'elle va aller loin, quoi. Ça va, t'as le temps d'avoir un petit peu? Ouais, on arrive à se déplacer un peu, l'avoir sur les courses, l'avoir des fois dans les entraînements et se ressourcer Isola 2000 parce que c'est un peu notre station, quoi. Ouais. On a tous les potes, la famille. Moi, j'ai fait 20 ans de saison. Voilà, quoi, je suis chez moi, quoi. Ouais. Donc elle aussi d'ailleurs. Elle est née dans la neige, elle représente bien sa station d'Isola 2000 et ouais. Elle est belle comme tout. Et puis on est fiers de dire qu'on vient du sud d'Isola 2000. Quoi. Ouais. Voilà. Ouais, c'est super, c'est super. Donc c'est top quoi. Voilà. Bon, c'est sûr que c'est une belle petite graine. Ah bah ouais, une bonne graine montante là, il n'y a plus qu'à l'arroser et elle va bien pousser je pense. Ouais. Elle c'est est fou, bien partie, 16 ans et... Ouais. Elle peut faire pas mal de JO, je pense. Je suis un peu fier de le dire, mais pourquoi pas, quoi. Ouais. En tout cas, elle est sur la bonne voie, là. Elle est sur la bonne voie. Pour les prochains, on touche du bois. Elle est bien partie. Et ils prennent la décision le 20 janvier, je crois. D'accord. Voir qui va partir. Et voilà, donc impatient de savoir. Et moi, je pense qu'elle va y aller. Ouais, moi, je parie sur mais Julia. Mais c'est clair, c'est sûr. Voilà. Super. Ben, merci Tito. Ben, merci à vous en tout cas. Hein, quand je t'ai croisé, j'aurais jamais cru que t'étais le papa. Pourquoi? Je suis bourré jeune, c'est ça? Exactement. C'est et bonjour gentil. À la maman. Super, aussi. Ouais. Elle va arriver là avec le petit. C'est d'accord. Gentil. Ben, merci à tous. Merci Isola 2000. Et tous derrière. Petit retour en arrière avec Jean et Melina venus dédicacer son livre. Un polar où l'intrigue se déroule dans la station d'Isola 2000. Jean et Melina, donc venus sur les lieux du crime ? Tout à fait. Et c'est les lieux où j'ai skié pendant 20 ans. Et c'est en somme en même temps un hommage à Isola 2000. Bon, et là, comment vous est venue l'idée de... Bon, déjà, vous faites des polars. Et là, vous vous êtes dit, tiens, je vais... Le passé sulfureux d'Isola 2000 me donne l'idée de faire un polar, c'est ça? Oui, mais j'ai toujours rêvé
J'ai toujours craint en skiant de me faire canarder sur une piste parce qu'il y a des rochers à côté qui vous frôlent, surtout à l'époque. Et j'en parlais à mon fils. J'ai dit, mais là, on pourrait se faire tuer. Et si vous êtes sur votre téléski, télésiège, vous pouvez vous tailler tout de suite. Le télésiège s'arrêtera 20 minutes plus loin. Voilà. Et puis sur un télésiège, c'est du sport pour tuer quelqu'un. Bon, et puis il y a la frontière pour s'échapper, c'est ça? Alors, sans dévoiler la trame de l'histoire, racontez-nous un peu quand même ce qui se passe. Mettez-nous en appétit, on va dire. Oui, je vais vous mettre particulièrement en appétit parce que la victime est une ancienne star du porno, milliardaire, qui est venue se retirer à Isola 2000 parce qu'il y trouve une espèce de renaissance et d'air pur. Et à partir de là, on cherche qui a fait cela et comment on a pu tuer quelqu'un sur un télésiège, ce qui est un sport rare. Voilà, donc il y a un sport de plus à Isola 2000, on va dire. Voilà, voilà. Et oui, je fais l'éloge du ski en même temps. Bon, a priori, ça part bien les ventes, donc c'est un succès, quoi. Je l'espère, mais enfin, je suis content de voir qu'il y a du retour et des réactions, et c'est surtout des réactions très favorables, parce qu'on a souvent, très peu souvent, l'occasion de savoir ce que les autres pensent, ce que les lecteurs pensent de ce que vous avez fait. Et là, c'est l'occasion jamais. Je vous remercie. Allez, on termine ce magazine avec la soirée du 31 dans la station d'Isola 2000. On commence par faire griller les chamallows. C'est l'équipe de l'Office du tourisme qui distribue gratuitement des brochettes de chamallows. Et après, eh bien vous les faites griller, pas trop longtemps évidemment, sinon il ne reste plus rien. On continue avec un petit contest freestyle sur le front de neige. Ensuite, c'est distribution de vin chaud et de chocolat chaud. Et évidemment, la descente au flambeau des moniteurs de l'ESF, au cours de laquelle on va écrire le chiffre 18 dans la montagne.
On peut voir le chiffre 18 qui commence à se dessiner. Voilà, notre 18 est entier. Et à l'arrivée, les moniteurs nous ont réservé une petite surprise. Ils vont nous faire le coup des dominos. Voilà, la théorie des dominos selon l'ESF d'Isola 2000, je vous ai fait un petit montage. Après les dominos, on a eu droit à un magnifique feu d'artifice. Demain, premier jour de l'année 2018, nous sommes sur le front de neige et la station offre des sushis et du champagne pour ceux qui se sont levés suffisamment. Voilà. On est très 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 content de vous accueillir cette année encore sur Isola 2000. Alors là, on vous a concocté une petite surprise parce qu'on adore, mais vraiment on adore les sushis. J'espère que vous aussi. Alors passez une excellente journée et puis tous nos voeux de... Les plus prospères, les plus chers, de santé, d'amour, de bonheur pour cette année 2018. Et savez-vous, hein, non, aujourd'hui on n'a pas pensé aux enfants. Nous vous souhaitons une très bonne année 2018.